Cette grosse main sur la tête? Certainement pas. C'était seulement un accident, mais c'est un présage, un très mauvais présage. Mais ça présage quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je vois quelque chose de très gros qui va tomber du ciel. Oh, c'est absolument épouvantable. Lilibelle s'amuse avec ses amis. Il faut que je la ramène. Je vais le battre. Ouais, oh, ouais, ouais. Bien. Violence! Ouais. Oh. Du tonnerre, hein! Vous avez vu, je suis tapé en plein dans le grand arbre! Oh, les abeilles! Les abeilles, elles se sont échappées! Attention, voilà les abeilles! Les abeilles! Oui! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, yeah, yeah, yeah. Porthos, est-ce que tu sais où sont les enfants? Est-ce que tu peux les voir du haut de ton perchoir? Pourquoi est-ce qu'ils dansent comme ça? Oh, monté du ciel, le pauvre Porthos est devenu complètement fou. Pourquoi ils sont dit comme ça? Non, je vois quelque chose de très gros qui va tomber du ciel. Oh, alors le présage du Scarby s'est réalisé. Oh, les abeilles attaquent Porthos! Bras de fer, au secours! Les abeilles attaquent Porthos! Mais c'est Porthos!
Vite, Flora, va voir ce qui est arrivé à Citronnelle. Au commencement, il y a eu l'eau et Billy Rocher. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hé hey! Mais qu'est-ce que c'est? Hé hey! Bras de fer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là! Ouh les abeilles! Ouh là là! C'est fini, Fortos. Ça va calmer la douleur des piqûres. Aïe, 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 ça fait mal. Toi aussi, moustique, l'eau fraîche va te soulager. Trempe ta figure. Oh oui, vite, vite. Ce que je veux savoir, c'est comment les abeilles ont pu s'échapper. Je parie que tu sais qui a fait ça. Eh ben, on lançait tous des bâtons, il y en a un qui est tombé en plein sur la ruche. Mais réponds-moi, qui a acheté le bâton? C'est Koum-Koum. Koum-Koum? Koum-Koum, Koum-Koum, où es-tu? Koum-Koum! Oui, papa! Qu'est-ce qu'il y a? Koum-Koum, tu vas bien? Tu es sûr que tu n'as pas de mal? Ouais, papa, ça va. Koum-Koum, au village, presque tout le monde a été piqué par des abeilles. Oui, je sais, mais moi, elles m'ont pas piqué. Je suis tombée dans la rivière, alors elles m'ont pas eu. Ça, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Tu as été méchant. Hein? C'est toi, mon fils, qui a envoyé ton bâton et fait s'échapper les abeilles. Je les ai pas fait s'échapper, j'ai juste lancé mon bâton. Quoi? Ne discute pas, Koum-Koum. C'est ta faute si tout le monde a été piqué et tu vas aller demander pardon. Pourquoi je dois y aller? Ça suffit, je veux que tu ailles demander pardon à tout le monde. C'est pas moi qui les ai piqués. C'est ta faute, c'est mon grand frère et moi, on a été piqués. Mais je pouvais pas savoir qu'il y avait une ruche dans l'arbre. Koum-Koum. T'as été piqué toi aussi, Pampa? J'étais au bord de la rivière, tu n'as pas honte? C'est pas moi, c'est les abeilles. Oh. Koum-Koum. Tu sais, c'est pas rigolo d'avoir aussi mal. Et maman est pire que moi. Je suis désolée. C'est ta faute si on a été piqué. Oh! Moi, je t'en veux pas, oh, Koum-Koum. C'est vrai que tu m'en veux pas. C'est les abeilles qui nous ont piqué, c'est pas toi. Mais oui, c'est les abeilles, ça c'est vrai. Tu dois demander pardon, Koum-Koum. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il y a que c'est pas moi qui ai piqué les gens. Allez, viens. Tu vas rester enfermé là-dedans un petit moment. Papa! Pourquoi il y a que moi de puni? On a tous lancé des bâtons, laisse-moi sortir! Je te punis parce que tu es le seul à ne pas avoir été piqué. C'est pas juste! Si je comprends bien, bras de fer, tu veux une recette pour guérir les piqûres d'abeilles. C'est bien ça, Claubu. Bien, eh ben voyons, où est-ce que c'est? Attends, je suis sûr d'avoir une tablette par là. Voyons, elle est là-dedans, mais où ça? Mais je sais qu'elle est quelque part. Ah, quand on a été piqué par des abeilles, prendre un œuf d'autruche, le brûler dans le feu, ramasser les cendres et en faire une pâte. Ah, oui, c'est bien écrit là. Il faut brûler un œuf d'autruche? Eh, c'est ce que dit la tablette. Il faut frotter la piqûre avec la pommade et la douleur disparaît. Bon, c'est parfait. Je vais aller chercher un œuf d'autruche. C'est ça, c'est la recette que donne la tablette. Mais elle dit aussi que c'est très difficile de se procurer un œuf d'autruche. Quoi, difficile à se procurer? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Tim Tim? Maman, c'est papa. Regarde. Oh! Seigneur, je me demande ce que fait ton papa. Mmh.
Sois bien prudent, bras de fer. Viens avec moi, Koum Koum. Où est-ce qu'on va aller, papa? À la chasse. À la chasse? Ouais. J'ai besoin d'un œuf d'autruche pour soigner les piqûres d'abeilles. Ah. Papa, pourquoi est-ce qu'on emmène tous ces sacs plein de choses puisqu'on n'a qu'un œuf à trouver? On ne sait pas combien de temps ça prendra pour en trouver un. Oh. Cléobule m'a dit que c'était très difficile de se procurer un œuf d'autruche. Oui, mais toi, t'en trouveras un, papa. T'en fais pas. Voilà. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre. Est-ce qu'on va attraper un œuf avec ça? Non, c'est un piège pour attraper quelque chose à manger. Pourquoi, papa? Ça va peut-être prendre un certain temps avant qu'on ne voie une autruche. Il faudra manger. Ça peut durer longtemps. Oh. Bon, appuie-toi. Voilà, c'est prêt. Et papa, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Tiens. Tu vas les taper l'un contre l'autre pour faire peur aux animaux. Ils vont passer dessus et tomber dedans. Tu vas crier fort et taper sur la planche. Ne t'en fais pas, Koum Koum. On va bientôt prendre quelque chose. Ça t'a plu? Est-ce que tu aimes chasser? Oh. Eh bien, je crois qu'il va falloir attendre demain matin pour trouver notre œuf. D'accord, ouais. Je crois qu'il est l'heure qu'on fasse un somme, tous les deux. Papa. Tais-toi. Attention, Koum Koum.
Surveille bien le feu, il ne faut pas qu'il s'éteigne. Mets du bois, vite! Le feu marche très fort, jette du bois! Tu m'as beaucoup aidé, Kumkum. Très bien, oui. Papa. Hein? Vite, cachons-nous. C'est un piège. La véritable autruche pensera que c'est une autre autruche. On a eu beaucoup de chance, Kumkum. Ouais. Regarde. Papa, regarde l'autruche. Tu sais, l'autruche est une maman comme une autre et son œuf lui manque. Allez, viens, Kumkum.
Guillaume, viens. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas, mon garçon? Fait ce qu'on a pu. On va trouver un autre moyen. Et où est-ce que t'étais passé? Bah, ta figure est plus enflée, comment ça se fait? Et ça va faire presque 2 jours que vous êtes partis et les piqûres de tout le monde sont guéries maintenant. On n'a plus de marques. T'as entendu ça, papa? C'est une chance. On va jouer. Ouais. Dépêche-toi, viens. メルシーをどうぞお楽しみに。